Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va repartir sur une question plus d'actualité. As-tu entendu parler de l'affaire du mur des cons C'est un scandale qui a eu lieu au sein de la magistrature. En effet, certaines personnes ont découvert dans les locaux du syndicat de la magistrature un grand panneau d'affichage nommé le mur des cons, sur lequel était affichée la photo de personnes jugées comme cons. Cette info a fuité sur le site Atlantico en 2013. Qui était présent sur ce mur Des hommes publics, des hommes politiques, des intellectuels, des journalistes, principalement de droite, mais aussi des hauts magistrats ou encore des syndicalistes policiers. Mais pas seulement. Des photos de justiciables comme celle de deux hommes, pères de jeunes filles qui ont été violées et tuées, qui étaient en faveur du fichier génétique pour les délinquants sexuels. Les médias et les personnes publiques s'emparent alors de l'affaire, crient au scandale, les syndicats vont se désolidariser du syndicat de la magistrature. Ce qui est en jeu ici, c'est l'image de la justice. Celle-ci est notamment en mauvaise passe puisqu'elle comptabilise une défiance de 77% selon une étude du point en 2020. Et déjà en 2013, quand l'affaire a explosé, la défiance du citoyen envers sa justice était déjà très haute. L'affaire ne s'arrête pas là. En avril 2013, Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, est interrogée au Parlement. Elle indique que les personnes présentes sur ce mur sont libres de pouvoir déposer plainte. L'affaire s'est soldée d'une condamnation de la présidente du syndicat pour injure publique et une amende avec des dommages et intérêts. Malgré que celle-ci a fait un pourvoi en cassation qui s'est vu rejeté. Bilan de tout cela, il semble y avoir une crise de l'institution et de son image. Cela montre également que les juges sont aussi des humains, emplis de qualités et de défauts, du fait que ces humains ont des sensibilités différentes et parfois dérapent, mais que l'on attend d'eux une tenue à toute épreuve. Je vous ferai un épisode spécial sur les sanctions prévues spécifiquement envers les juges. Cette affaire nous montre aussi que des gestes qui peuvent parfois sembler être anodins peuvent être pénalement sanctionnables. Et ainsi, le fait qu'un individu, en l'occurrence un magistrat, porte avec lui certes son individualité, sa réputation propre, mais aussi la réputation de l'entièreté de son corps. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast de culture juridique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager ce contenu si l'initiative te plaît et si tu veux voir ce projet s'améliorer et évoluer. A très bientôt